Salut à tous, la team OL Tomaim Show pour OL Fan TV, la première chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, je viens vous faire le débrief du match d'hier, Olympique Lyonnais versus OGC Nice, et qui s'est soldé par une piteuse défaite, la deuxième défaite en 4 matchs. Donc ça se trouve, ça va vraiment porter préjudice pour la fin de saison, parce qu'on sait très bien que sur ces premiers matchs de la saison, on n'est pas bon. Et que derrière, et surtout en fin de saison, quand il faut finir la saison au boulet de canon pour accrocher la Ligue des Champions ou pour recoller aux 3 premières places, on galère parce qu'on a perdu des points à domicile et on a perdu des matchs bêtement, parce que hier, nous avons dominé ce match de la tête et des épaules. Nous avons tiré 29 fois et nous avons cadré uniquement 8 fois. Pour comparaison, Nice a tiré 9 fois et a cadré un tir. Et c'est le but contre son camp sur l'action de Saint-Maximin, sur la frappe de Saint-Maximin. C'est quand même absolument hallucinant. J'avais l'habitude de vous parler des expected goals. Vous savez, c'est cette notion anglaise, britannique, qui juge le nombre de buts que nous aurions dû marquer. Et les expected goals pour ce match, pour notre équipe, sont à 1,94 buts. Nous aurions dû marquer 1,94 buts et Nice seulement 0,41, c'est-à-dire même pas un but. Vous vous rendez compte, la catastrophe. On a eu la possession de balle aussi à 58%. On l'a eu cette possession, on n'a pas outrageusement, mais voilà, on l'a dominé ce match. Et on se retrouve avec une défaite, la deuxième, comme j'ai dit, en 4 matchs. Franchement, Pep Genesio, il nous disait à la fin du match, écoutez, on n'a pas eu de réussite, on a eu un super Walter Benitez. Oui, Walter Benitez, le gardien niçois, a fait des prouesses, mais franchement, on n'a pas été bon. Donc je vais vous faire un peu le rétexte des joueurs, on va essayer d'être un peu méthodique, encore une fois. L'Olympique Lyonnais et Pep Genesio avaient misé sur un 4-2-3-1 avec le retour de Fekir. C'était le système préférentiel qu'on utilisait avec Nabil Fekir la saison dernière. Meneur de jeu, Nabil Fekir dans ce match. Et on commence avec Anthony Lopez qui a été irréprochable sur ce match. Irréprochable, il n'a pas eu grand-chose à faire. Et je crois que sur le tir de Saint-Maximin, il était sur la trajectoire. Donc si Marcelo ne le déviait pas, voilà, il aurait dû l'arrêter. Alors la défense centrale, il y avait une petite chose inédite, c'était la première titularisation de Jason De Nayer, l'international belge. Eh bien il était sobre, moi je trouve, Jason De Nayer. Il a fait une prestation plutôt correcte. Alors si je sors ses statistiques, 43 passes réussies sur 43. Et 4 dégagements réussis pour lui et c'est tout. Il a été sobre et efficace. À un moment donné, il y a eu un trou d'air, c'était sur la frappe de Balotelli, mais il était hors jeu, notre ami Mario Balotelli. Mais je l'ai trouvé sobre. Par contre, j'ai trouvé qu'il n'a pas beaucoup pris de risques à la relance. Même Jérémy Morel prenait plus de risques que lui à la relance. Donc j'attends de voir sur les prochains matchs, mais effectivement, on a vu un petit peu de vitesse, on a vu qu'il était capable de récupérer un attaquant qui l'avait devancé, on l'a vu qu'il était assez bon sur les tacles aussi. Il a été solide, mais voilà, il n'y avait pas une énorme opposition non plus en face. Hein. Mario Balotelli a été un peu absent des débats, Saint-Maximin ça a été peut-être l'un des seuls attaquants à faire quelque chose, donc on ne pourra pas le juger sur ce match. Marcelo, lui, indéboulonnable évidemment, il a fait un bon match, Marcelo, je trouve. Pareil, assez solide, mais peut-être pas dans ses standards habituels. Il a gagné 2 duels aériens sur 4. Il a surtout récupéré 9 ballons. On ne connaît pas ce Marcelo récupérateur de ballons. Et bien cette fois-ci, oui, 9 ballons récupérés pour lui et seulement 4 dégagements. Lui qui avait l'habitude et qui a l'habitude de protéger sa surface de réparation d'une main de fer, et bien il a fait seulement 4 dégagements, mais qu'il a partagé avec De Nayer. Sur les latéraux, latéral droit, c'est Raphaël. Raphaël qui a pris vraiment, je crois, un temps d'avance sur Léo Dubois. Raphaël qui a été très bon. Moi, je l'ai trouvé très impliqué. Il montre beaucoup, beaucoup de motivation, Raphaël, dans ce qu'il fait. 57 passes réussies sur 63. 2 passes clés pour lui à son actif. 19 passes réussies dans le dernier tiers sur 23. Et surtout,
Le record côté lyonnais dans ce match, 13 ballons récupérés. C'est un formidable match de la part de Raphaël qui vraiment est en train de reléguer Léo Dubois sur le banc, peut-être d'une manière irrémédiable, et on est pourtant au tout début de la saison. Et puis, côté gauche, l'infatigable Ferland Mendy qui a fait aussi une prestation incroyable. 79 passes réussies sur 92. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Il y a un peu de temps, j'espère que vous entendez bien quand même. 79 passes réussies. 92, c'est énormissime. Et puis 4 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il crée des occasions, Ferland Mendy. Il apporte offensivement. 22 passes réussies dans le dernier tiers sur 27. C'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. 2 centres réussis sur 4. Je disais qu'il fallait qu'il travaille ses centres. Eh bien, c'est un peu mieux. C'est la moyenne pour lui. 2 centres réussis sur 4. Et puis, il a aussi, surtout, réussi 2 duels aériens sur 2. Et puis, une très belle statistique pour lui aussi. C'est 9 ballons récupérés, autant que Marcelo. Vraiment, on a eu des défenseurs qui ont été solides hier et qui ont tenté quand même de faire leur job et qui ont essayé aussi d'apporter offensivement. Mais aussi avec 29 tirs, c'est normal. On a fait un tout pour l'attaque hier et ça s'est soldé par rien du tout. Au milieu de terrain, nous avions notre double pivot qu'on n'avait plus l'habitude de voir, Ndombele et Touza. On commence avec Ndombele qui a fait un match ndombelesque. Encore une fois, 73 passes réussies sur 82. 3 passes clés pour lui, symbole de son implication offensive. 21 passes réussies dans le dernier tiers sur 23. Quelle précision dans ce dernier tiers. Et puis 10 ballons récupérés pour lui et 4 tacles réussis. C'est un match plein. Alors on pourrait peut-être lui reprocher cette frappe de balle. Le ballon lui revient sur, je crois, une occasion lyonnaise à l'entrée de la surface de réparation. Et puis là, il tire n'importe comment. Et puis ça part dans les tribunes. Il a une belle frappe de balle, Tanguy Ndombele. Il manque peu de choses pour qu'il soit énorme. Il manque des buts. S'il marquait des buts, franchement, ça en ferait un joueur extrêmement complet. Et puis Lucas Touzard, j'ai bien apprécié dans ce double pivot parce que cette fois-ci, il n'était pas en premier relanceur, il était un milieu qui se projetait vers l'avant. Et on sait que quand il se projette vers l'avant, c'était surtout en première mi-temps, quand l'Olympique Lyonnais, en tout cas sur les 20 premières minutes, a énormément dominé. On a vu un Lucas Touzard qui s'est projeté et ça a été plutôt intéressant. Il a fait notamment une frappe et puis il a voulu construire les actions. Après, voilà, il ne nous a pas fait une seconde mi-temps extraordinaire non plus. Et il en est à 5 tacles réussis. C'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est un tacleur, Lucas Touzard. Mais il manque aussi quelque chose. Il manque peut-être un but. Il manque une passe clé. Voilà, il ne peut pas tout faire. Mais sur les 20 premières minutes, et quand il s'est projeté vers l'avant, je l'ai trouvé très bon. Deuxième titularisation pour Martin Terrier sur l'aile gauche. Et il n'a pas eu autant de réussite que contre Strasbourg. Je l'ai trouvé beaucoup plus en retrait. Je pense qu'il a eu du mal à prendre son côté gauche, son couloir gauche. Et ça s'est révélé dans les statistiques. Seulement un centre pour lui, ce qui est très peu. Un centre réussi tout de même. Il a réussi un duel aérien sur 3. Et 4 tacles réussis. Par contre, aucune passe clé. Dans la création du jeu, il a été absent. Il a été peut-être moins en jambes. Alors, est-ce que la répétition des matchs lui fait déjà mal? C'est une question que je peux me poser. Est-ce qu'il avait aussi la pression? Il cherche encore la régularité, Martin Terrier. Il est capable de très belles prestations. C'est un formidable joueur, j'en suis persuadé. Mais il faut cette régularité qui dictera sa saison et qui dictera la nôtre aussi. Parce qu'il a pris pour l'instant la place de Houssem Aouar. Et voilà, il faut la justifier, cette place prise. Et puis sur ce match, je trouve que ça manque de quelque chose. Son pendant à droite, Bertrand Traoré, a fait du Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui a subi 3 fautes quand même, parce qu'il a provoqué, ça a été surtout en première mi-temps, dans les 20 premières minutes. Il a subi des fautes, il a provoqué. Mais voilà, c'est faible aussi Bertrand Traoré, à chaque fois qu'il tire. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas d'objectif en tête. Il ne sait pas où il va tirer, donc il tire n'importe où. Et donc ça tire dans les tribunes. Pareil, il lui faut de la constance à Bertrand Traoré. Il y a beaucoup de talent chez lui. Beaucoup de talent. Mais voilà, il faut absolument qu'il y ait de la constance et de la consistance dans son jeu. Quand on s'est retrouvé aussi pareil à 2 ou 3 dans la surface de réparation avec cette occasion et le tir sur le poteau de Fekir, pareil, un gris-gris de trop. Voilà, Bertrand Traoré, c'est dommage, il a de la magie dans les pieds, mais il l'utilise pas toujours à bon escient. Nabil Fekir faisait sa première titularisation, notre capitaine.
Il a eu un match compliqué, il a beaucoup tenté, mais on l'a senti pas encore dans le rythme. Nabil Fekir, pas de passe clé pour lui à son actif, pas d'interception, pas de duel gagné, mais par contre, trois fautes subies. Il a tenté, il a quand même tiré, mais pareil, avec trop peu de précision. Et il a fait cette frappe notamment sur le poteau. Il aurait pu avoir quand même un meilleur sort. Donc on attend un Nabil Fekir qui va monter en régime. Mais pour l'instant, c'est trop faible. Le niveau de préparation, je pense, n'est pas encore acquis. Donc il faudra attendre un tout petit peu plus pour Nabil Fekir. Mais c'est encourageant quand même. Il faut compter sur lui. Et puis notre avant-centre du soir, Memphis Depay. Memphis Depay, il n'a pas fait un aussi bon match que contre Strasbourg. On l'a senti un peu limité sur ses talents d'avant-centre. C'est un peu du Memphis Depay. C'est pas un vrai avant-centre. C'est quelqu'un qui va être un faux neuf. Et aujourd'hui, hier, il a pas pesé plus que ça sur la défense niçoise. On aurait aimé un peu plus. Alors c'est quand même 5 passes clés. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc c'était pas Fekir qui distribuait le jeu, mais c'était plutôt Memphis Depay. Ça, c'est le côté rassurant, c'est qu'il est toujours dans la création. Toujours dans la création de jeu. 5 passes clés, c'est très bon dans ce match. Il a réussi aussi 20 passes dans le dernier tiers sur 23. Une vraie précision, il est impliqué. Il a fait 4 centres réussis sur 10. Vous voyez, là, par contre, ça pêche. Même pas la moitié de ses centres réussis. C'est là où il faut avoir beaucoup plus de consistance et puis de fautes subies. Voilà, le joueur lyonnais qui a été victime d'un cambriolage pendant le match. On lui a dérobé pour 1,5 million d'euros environ de bijoux, de fringues de luxe. Apparemment, Flo Maurice, qui a été le voir, et puis Jean-Michel Aulas, qui faisait le rétexte, a parlé d'un joueur effondré. Donc avant la trêve internationale, on espère qu'il va évacuer ce problème, parce que effectivement, ce n'est peut-être que du matériel, mais ça peut peser dans la tête d'un joueur. C'est au club aussi à voir ce qu'il pourra faire avec lui. Voilà pour le rétexte. Alors j'ai pas parlé de la rentrée de Papcheck Diop, qui est quasi insignifiante parce que trop tard. Et puis la rentrée de Oussem Aouar, qui essaie de se mettre en évidence. J'ai trouvé une meilleure rentrée que face à Strasbourg. Voilà, Oussem Aouar qui a perdu sa place de titulaire, mais je pense qu'il ne l'a pas perdu complètement parce que le match de Martin Terrier n'a pas été complètement abouti. Donc au final, voilà, statu quo pour cet Olympique lyonnais. Je trouve que c'est quand même inquiétant. Créer du jeu, certes, ça c'est la chose positive, c'est qu'on se crée des occasions, c'est qu'on a des tirs, on a des occasions. C'est quand même peut-être ça la chose la plus positive. Par contre, 2 défaites en 4 matchs, je commence un petit peu à m'inquiéter, surtout que dans 2 semaines à peu près, il y a le déplacement à City. Alors bien sûr, c'est une autre compétition, mais il faudra être en jambes, il faudra avoir trouvé les solutions. Je crois que l'OL encore manque de consistance dans les 30 derniers mètres et il faut absolument convertir ces occasions. C'est indispensable avec tout ce qu'on a eu. On aurait dû gagner ce match. Vous voyez, c'est un match perdu bêtement parce que défensivement, on maîtrisait la chose. Certes, il y a eu une barre transversale de leur côté, etc. Mais voilà, on a maîtrisé notre sujet. Il n'y avait pas franchement de danger. Donc c'est bête, c'est encore bête d'avoir perdu ce match, mais aussi on pourra retenir le côté positif, c'est que Moussa Dembélé a signé à l'Olympique Lyonnais. Ça a été un sacré bras de fer avec le Celtic, mais voilà l'attaquant, notre grand attaquant, comme on dirait. Je ne sais pas si c'est encore un grand attaquant, mais ça sera une arme de plus. Bruno Genesio a dit qu'il pourrait jouer dans un système même à 2 attaquants, peut-être en 4-4-2 ou peut-être en 3-5-2. Memphis Depay va pouvoir jouer avec Moussa Dembélé. Donc vous voyez, il nous apporte des solutions. Par contre, il faudra aussi un temps d'adaptation. On ne pourra pas tout lui demander à Moussa Dembélé. Et puis on a eu la recrue aussi, une recrue surprise. C'est Lenny Pintor, qui est international U19, qui joue à Brest, qui est promis, nous dit-on, à un grand avenir, selon Flo Maurice. Un joueur très vif, très, très rapide. Alors, est-il meilleur que Maolida ? Maolida, lui, il est rentré hier contre nous et il a pas pesé sur les débats. Moi, je pense que ce n'est pas une énorme perte, Maolida. Moi, je le sentais limité. C'est pour ça aussi peut-être que l'OL l'a laissé partir parce qu'il ne sentait pas forcément que ce talent allait se révéler chez nous. Alors, peut-être qu'on a eu tort, mais bon, moi, j'étais sceptique en voyant ce garçon. Alors, peut-être que Lini Pintor, qui va faire sûrement ses classes avec la nationale 2,
avec Réo Griffith, mais on pourrait potentiellement le voir cette saison intégrer le groupe professionnel, à voir ce que ça pourrait donner. C'est une recrue surprise. Alors les gones, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. Qui avez-vous aimé? Est-ce que la première de Denayer vous a rassuré? Est-ce que vous attendez plus de ce joueur? Est-ce que vous êtes satisfait quand même du jeu produit? Est-ce que vous en voulez à Bruno Genesio d'avoir fait des changements trop tardifs? Qu'est-ce qu'il manque à l'Olympique Lyonnais? Dites-moi les gones. Et puis, je pense que la plupart doivent être satisfaits quand même de l'arrivée de Moussa Dembélé. Et donc, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce mercato. Est-ce qu'il vous a au final déçu? Est-ce que Jean-Michel Aulas nous a menti? Alors, il dit que non, parce qu'en conférence de presse, il nous a dit qu'il n'avait rien promis, comme d'habitude, évidemment. Voilà, les gones, merci à vous de me suivre, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Merci à vous. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je regarde tous vos messages. Je n'ai pas le temps de répondre à tous, mais vraiment, c'est toujours aussi bien. Même quand ils sont négatifs, c'est pas grave. C'est une chaîne jeune qui n'attend que de se développer. Voilà, les gones. Il fait beau à Lyon, regardez, on en profite. Moi, je promène mon gamin et je vais aller à la rencontre d'un supporter de l'Olympique Lyonnais. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et bon week-end, les gones. Ciao !